Bien. Et puis Mohamed Kaba, pour terminer, vous nous parlez de la prison centrale avec les révélations d'un détenu. Oui, c'est le site d'information Africa Guinée qui nous apprend la nouvelle. Et depuis sa cellule, on nous apprend qu'un prisonnier est malade au fait de graves révélations. Et ce prisonnier n'est d'autre que Issa Kaba. Vous savez, Issa Kaba, c'est cette rocambolesque affaire qui les a envoyés à la maison centrale, cette affaire de cocaïne et certains... Issa Kaba, le neveu de... Issa Kaba. Voilà, Issa Kaba. Je ne connais pas sa filiation, s'il est lié à quelqu'un. En tout cas, Diane Nekaba est Kaba, il voilà. Est Kaba lui aussi. Non, c'est le neveu de Ousmane Kaba. Ah bon, okay. Donc Issa, je ne savais pas, Issa Kaba aujourd'hui, qui s'est confié à nos confrères d'Africa Guinée.com, il se dit aujourd'hui malade, qu'il manque d'insuline. Mais ce qui m'a un peu, ce qui a attiré mon attention dans sa communication, Issa fait des révélations qui enfoncent ses coups de tenue. Lorsqu'il dit dans cette déclaration que, je cite, selon notre interlocuteur, le fait qu'il a irrité, c'est la fausse hospitalisation, selon Issa, du commandant Sané qui ne serait pas souffrant. Et puis, c'est ce dernier qui aurait dérobé les 50 kg de cocaïne. C'est commandant Sané qui l'a arrêté, lui, qui l'a fait arrêter, lui. Voilà, maintenant lui le dit. Donc sa version est contestable. Issa et Sané est hospitalisé pour des problèmes cardiaques. Ça, voilà, je ne dirai pas dans quel hôpital, mais je sais de quoi il s'agit. Il enfonce ses cours de tenue que le commandant Sané aurait dérobé les 50 kg de cocaïne. Bien. Et il dit que je vous informe, et puis, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris, c'est lui qui a volé les 50 kg de cocaïne. Et son grand frère est donc né. Il reconnaît que lui, Kaba, il avait de la cocaïne. Évidemment. Si l'autre a volé de la cocaïne, c'est que lui, ensemble. Il avait de la cocaïne. Et puis, son grand frère, Mamadi Kaba, et je vous rappelle que c'est son grand frère, même père, même mère. C'est-à-dire, ce n'est pas ce comme on a l'habitude de dire, c'est un grand frère, un match long. Non. Bien. Il passe la journée à menacer ce dernier à la maison centrale. Il passe la journée à insulter ce Mamadi Kaba. Parce que ce qu'on nous apprend, Mamadi Kaba aurait loué sa villa assise à Nongon à des personnes qui mènent des activités de pêche. Et après, c'est par pitié qu'il aurait fait appel à son petit frère Issa Kaba, qui n'avait même pas de logement. Il a rapproché de ses partenaires à Nongon. Et c'est après la découverte que lui, il a su que tous ces problèmes se passaient dans la villa. En aucun cas, c'est ce qu'on apprend du côté de nos sources. Mamadi Kaba, qui est estimé, qui est accusé à tort ou à raison d'être le cerveau, bien. On nous rétracte. Non, Mamadi Kaba n'a fait que rendre du bien à son jeune frère cadet. Mamadi Kaba, Issa Kaba, ils sont du même père, bien. Même mère. Et voilà, c'est une famille aujourd'hui qui est effondrée. Bien. Il faudra que Issa Kaba mette de l'eau dans son vin. Non, ce n'est pas non, la peine d'accuser. Non, ce n'est pas d'accord de jeter son dévolu. Je pense pas que Issa Kaba ait ce bras long-là. Bien, merci. Non, mais maintenant, aujourd'hui. Peut-être qu'on peut s'attarder là-dessus, mais après justement la pause, puisque la radio, c'est l'heure. On revient tout de suite après cette pause. On reste avec ce prisonnier donc, qui faisait des révélations, Mohamed Kaba. Akumba était en train de réagir à ça tout à l'heure. Vous terminez sur cette question. Non, en fait, pour être très bref, ce que je sais, c'est que le commandant Amassane commandait le bac ou la bac de Symphonia. Et que c'est lui c'est son équipe qui a saisi la drogue. C'est son équipe qui a dénoncé les présumés narcotrafiquants. C'est son équipe qui a procédé à certaines arrestations. Et certains de ces accusés ont dû prendre la poudre d'escampette parce qu'on ne voit pas les blancs, en tout cas ceux qui avaient été trouvés dans la maison. Et on procède à des arrestations pour un fait présumé de vol de sacs de drogue. On prend celui qui a arrêté les narcos, on le met dans la même prison que ceux qui l'ont arrêté. Donc, il a dû développer un battement cardiaque qui n'était pas convenable selon certains de ses médecins. C'est ainsi que pour éviter le pire, que les médecins de la prison, c'est-à-dire de l'infirmerie à la prison, ont recommandé qu'il soit admis dans un hôpital spécialisé. C'est ainsi qu'il a été évacué dans un hôpital spécialisé qui a décidé de ne pas le libérer encore. Il est dans une cabine, il est gardé, il est considéré comme prisonnier, mais il est sous soins intensifs depuis très longtemps. Donc, vous comprendrez que ça décourage d'abord ceux qui décident d'arrêter les narcotrafiquants. Ouais. Parce qu'on peut
attraper celui qui est arrêté et celui qui est arrêté et les mettre dans la même prison et même permettre certains des complices de ceux qui trafiquent cette matière illicite à sortir du pays. Ouais. Et c'est ce qui est arrivé. Commandant Massané est sous soins intensifs, ça je le sais. Oui, ouais, juste pour renchérir, parce que revenant toujours sur les révélations de Issa sur le médecin de la maison centrale, parce que là il enfonce le clou, il dit qu'il a dû débourser selon lui tout ce qui lui restait pour se soigner. Et la pire, il dit que le médecin qui serait connu par tous les prisonniers procède à la vente des produits pharmaceutiques. À la maison centrale, à la pharmacie, il n'y a seulement que le paracétamol. Donc si ces faits sont vérifiés, Que le paracétamol, selon Issa Kaba. Donc selon le paracétamol, est-ce que ce médecin pourrait se prêter à ce jeu, revendre les produits qui sont destinés aux détenus et ne les servir que du paracétamol? La question aujourd'hui reste posée. Mais ce qui reste clair, moi je souhaite qu'il y ait vraiment un procès le plus vite que possible dans cette affaire. On s'accuse ça et là, il faut organiser le plus tôt que possible. D'autres prennent la poudre d'escapette. L'instruction est terminée. Voilà, il y a d'autres qui sont en prison. Je crois qu'il vraiment il faudra que cette affaire se dirige dans un bref délai. Bien. Parce qu'il ne peut pas continuer à rester en détention. Merci Mohamed Kaba. Et pour terminer notre tour de chauffe, Diarra et Guirassy, on parle de ces opérations de récupération des biens de l'État avec les casques. D'abord une précision, parce que quand je parlais du contrat de XF Petroleum, mon dialogue avec Mohamed nous a conduit à une erreur de date. Oui. Il ne s'agit pas de la date du 5 août 2021. La date du contrat de XF Petroleum and Engina, c'est le 5 novembre 2021. D'accord. Pour que nos auditeurs lèvent vraiment la confusion. Quoi. Merci pour la précision, elle est très importante. Oui, Garay, le gouvernement qui décide d'arrêter tout. Oui, la décision est tombée. Et c'est ce qu'on appelait hier communiqué important. Que les gens ont beaucoup attendu sur la RTG d'ailleurs. Tout à fait. La décision est tombée finalement hier soir. Ouais. Les opérations de récupération des biens de l'État sont suspendues. Et cette suspension va s'observer tout au long du mois, de la période de la saison pluvieuse. C'est vrai que c'est une décision qui est annoncée, mais il y a quand même certains qui ont quand même été déjà mis dehors en attendant. Mais pendant ce temps, le gouvernement demande aux personnes qui sont concernées de prendre des mesures idoines pour justement trouver des solutions à leurs problèmes. Mais l'opération, fournir des documents. Mais l'opération de recensement des domaines concernés ne va quand même pas s'arrêter. Ça va continuer. L'identification des domaines de l'État. Tout à fait, va continuer. Ouais. Ça va pas s'arrêter. Et au même moment, le gouvernement demande aux autorités de justement fournir des renseignements sur les permanences, les marchés, les magasins d'État, c'est-à-dire tous les biens appartenant à l'État et qui se retrouvent expoliés. Voilà. Ouais. Et au même moment, nous avons vu quand même le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui a fait une sortie du côté de l'abbé, qui a quand même rassuré la population de ce côté qu'aucun bâtiment ne sera cassé de ce côté et que les bâtiments qui s'y trouvent seront habités par des agents ou des fonctionnaires d'État qui se retrouvent de l'autre côté et qui sont en difficulté de domaine. De ce côté, de ce point de vue, il faut quand même dire que le langage a quand même changé. On a vu quand même que les notables de l'abbé avaient quand même fait une correspondance tout dernièrement au président de la transition en lui demandant justement d'arrêter ces opérations qui pourraient quand même amener à des troubles, qui pourraient amener à quand même impacter le vivre ensemble dans la communauté. Bien, et je pense que les appels de part et d'autre ont quand même retenti dans les oreilles des autorités de la transition, puisque cette décision qui est annoncée est une décision quand même salutaire, mais c'est pas pour autant dire que ce qui a été fait a quand même arrangé tout le monde. On a vu d'autres qui se sont retrouvés dehors. Ça pourrait être paradoxal quand même. Voilà. Même si certains pensent que c'est à cause du fait que le gouvernement se transporte à l'intérieur du pays qu'on arrête ça, il faut quand même rappeler, sauf si je me trompais à Kumba, pour terminer, que dans le code civil, il est dit qu'on ne peut pas sortir quelqu'un d'une maison en saison hivernale. Donc, que ce soit entre privé ou entre l'État et quelqu'un qui occupe les maisons de l'État, je crois que le principe est valable pour tout le monde. Oui, absolument, vous avez raison. Et puisque nous sommes en attente de saison pluvieuse, la décision se comprend bien entendu. Il faut préciser que c'est cette opération de récupération du domaine de l'État qui a rendu encore plus impopulaire
le CNRD. Parce que vous cassez, vous récupérez, mais vous ne posez même pas une brique. À part l'ancienne résidence du Séoul d'Alain Diallo, ils sont en train de construire un semblant d'école, mais dans les autres coins, qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est motus bouche, c'est que dalle. On fait du tort aux citoyens. Et à la Kamayenne aussi. À la Kamayenne, à la cité ministérielle, c'est la même chose. Non, à la N'oublie pas Nongo, hein. Non, parce Nongo. Que là où Nanyale, tiens, coûte que coûte, a aménagé certainement sa deuxième chambre. Non, pas là-bas. Nanyale est très respectueux de la loi. À la Kamayenne, dans 6 mois, des immeubles seront érigés. Des châteaux en selon le ministère. Mais pour le moment, aucune brique n'a été posé. Donc, bon, laisse tranquillement les citoyens. Pendant qu'on veut démolir tout Koumbia, et Koubia, 300 maisons à Koubia, on a coché 206 maisons. Oui. À Fria, c'est 100 maisons. Koubia, à Dinguiraï, c'est la même chose. Koubia, c'est chez mes beaux-parents. Mais voilà, donc il faut sauver la belle famille. La ville. Il faudrait que le CNRD se ressaisisse à la récupération des domaines. Moi, je pense que c'est un sujet très sûr. Ça veut dire que ces 200 et quelques maisons de Koubia appartiennent à l'État ou quoi? Oui, oui, selon eux. Non, pas. Pendant qu'il y a 300. Le domaine. Le domaine appartient à l'État. C'est des maisons bâties. C'est des domaines appartenant à l'État. Mais Mamadouri, il faut quand même qu'on examine cette question avec beaucoup de sérieux, beaucoup de responsabilité. Où était l'administration quand autant de domaines en plein centre-ville ont été occupés par des citoyens? Alors qu'il y a des services. Donc c'est ceux qui occupaient les responsabilités à l'époque. Alors qu'il y a des services. Qui ont mis l'administration dans cette situation talibé. L'État a été absent. Ouais. L'État a été absent. Des agents de l'habitat se sont livrés à n'importe quoi. Et vous savez. Que ces agents malheureusement, ce n'est pas la responsabilité de Mamadi Doumbouya. Oui, oui, mais malheureusement, c'est l'État. Même s'il doit avoir quand même une empathie pour ces gens-là. L'État, c'est la continuité. Oui, il a sa responsabilité. Il a sa responsabilité. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Est-ce que vous avez entendu un agent de l'habitat ou un agent de l'administration publique arrêté ou interrogé sur la cession des domaines de l'État. De façon illégale. Vous en avez entendu? Vous avez entendu la mise en place d'une commission pour enquêter et savoir comment est-ce que ces citoyens ont acquis des droits sur ces domaines qui appartiennent à l'État? Vous l'avez entendu? Pas encore. Mamadi doit d'abord décanter au sein de l'administration avant de se tourner vers des pauvres citoyens. Ceux qui sont victimes aujourd'hui ne sont que des pauvres citoyens, doublement victimes ou triplement victimes. Victimes de l'administration publique, donc aujourd'hui, victimes d'agents de l'administration d'agents publique, véreux. Et victimes même de Mamadi Doumbouya, parce qu'il n'a pas cherché à comprendre quel est le degré de responsabilité de ces citoyens qui vivent aujourd'hui le calvaire du fait qu'on ait cassé là où ils habitent ou du fait qu'on leur ait demandé de déguerpir de là où ils sont. Kabine Fofana, pour terminer. Non, je rappelle ici un propos du professeur Bano qui disait une fois dans un cours que la Guinée, que le peuple guinéen, la population guinéenne a le don de mettre l'État devant le fait accompli. Bien. Les gens viennent occuper des espaces publics, ils savent pertinemment que c'est pour l'État, mais après on dit bon, de toute façon on va laisser comme ça, et ça a été cela a été fait à profusion sous l'ancien Akonté. Donc je pense qu'à la fois vous avez les agents de l'État qui se permettent à ce jeu-là, mais vous avez aussi la population parfois qui sait effectivement que laisser aller là n'est pas du... Donc cabinet cautionne cette récupération des domaines de l'État. Non mais alors, il y a une erreur que tu fais tout à l'heure en disant que les gens n'apprécient pas. Attention, les gens apprécient bien évidemment. Non, ça a rendu le CNRD impopulaire. Non, justement, je veux en fait vous dire c'est la méthode qu'on recule, mais la récupération des biens et des domaines de l'État est appréciée. Moi je ne peux pas comprendre, moi je ne peux pas comprendre que même si on récupérait des domaines sur lesquels sont bâtis en tout cas de beaux édifices, qu'on ait à l'idée de casser ces édifices. Voilà, aujourd'hui, si vous cassez autant d'édifices que vous avez coché à Jérécoré, mais Jérécoré disparaît de la carte, c'est l'ancien Jérécoré qui va rester. Même à la Kamayenne, ils ont descendu des beaux restaurants, des belles villas, on casse tout ça. Absolument. Alors que l'État n'a jamais rien construit. En tout cas, pour l'instant, l'opération... Nos villes, nos grandes villes, c'est des bourgades. Ce sont les citoyens qui se sont battus pour réaliser. L'État a été absent, l'État a failli. Il ne peut pas aujourd'hui rendre attention, les seules populations. Alors le tout dernier mot, cela veut dire que la Guinée, c'est un malade grabataire. Et le colonel doit diminuer la dose des remèdes, sinon ce malade va trépasser. Une overdose. Voilà, parce que là, si tu veux tout vraiment nettoyer... Ça sera compliqué. Bah, je crois qu'il est en train de diminuer la dose là, puisqu'il a décidé d'arrêter l'opération net. Qu'il y a des entreprises qui refusent de prendre des marchés à Donka,
là on a cassé. Des marchés de construction. Parce qu'on veut attribuer ça de gré à gré rapidement là pour reconstruire quelques petits bâtiments. Il y a des entreprises qui disent non, nous on ne prend pas s'il n'y a pas appel d'offres. Bien. Voilà donc, tout à l'heure Akumba parlait de participation des grands contributeurs à l'économie guinéenne en termes de recettes et d'impôts. Et là-dessus, il faut de passage justement noter et faire remarquer positivement la démarche pédagogique de la Direction nationale du budget avec ce qu'ils appellent la transparence budgétaire. Vous avez dû suivre cette petite vidéo sur notre digital qui explique comment est-ce que le budget est établi, est perçu et dépensé. C'était donc tout pour notre tour de chauffe.